Bonjour, bienvenue au restaurant Le Pergolèse, Paris 16e. Voilà, aujourd'hui on va vous présenter une recette qu'on a accommodée avec de l'huile d'olive et une bavaroise de fenouil à la ventrèche de thon et son velouté de brocoli émulsionné aussi à l'huile d'olive. Les huiles d'olive de nos terroirs sont issues des variétés locales implantées dans le Midi et du savoir-faire des producteurs et mouliniers français. La diversité aromatique exceptionnelle des huiles d'olive de nos terroirs permet de les utiliser de l'entrée au dessert. On va ainsi pouvoir associer le mets avec l'huile d'olive qui lui convient le mieux. Quelques gouttes d'huile d'olive du Midi suffisent pour sublimer un plat. Alors on est parti, on vient de faire, on a cuit le fenouil dans le lait avec la crème en compote. Ensuite, on a préparé du thon, cuit aussi dans de l'huile d'olive, bien le confire, qu'on va mixer avec le fenouil. On a cuit des brocolis, tout simplement à l'anglaise. On l'a cuit avec à l'anglaise, alors ça veut dire dans de l'eau bouillante, salée, et refroidie pour garder vraiment la couleur. Et cela, on l'a mixé pour obtenir le velouté, qu'on a émulsionné à l'huile d'olive de Mions. En plus, on a gardé un petit peu de brocoli. On va faire des sommités de brocoli, des petits sommités de brocoli, voilà, qu'on va couper très très fin. On va les récupérer. Et on s'en servira à mettre sur le plat. Avec un tout petit peu d'huile d'olive, on va prendre une huile d'olive AOP d'Haute-Provence. Et là, on va mixer le fenouil avec le thon. Un mixeur, le fenouil qui a été compoté dans du lait et de la crème, le thon qui a été confit, on voit bien, et on met à l'huile d'olive. On va assaisonner un tout petit peu de sel, du poivre. Attention, bien assaisonné. Quand on fait quelque chose qu'on va manger froid, il faut mettre un tout petit peu plus de sel. Quand ça passe au froid, ça perd du salage. Maintenant, on est parti pour mixer. Voilà, mis dans le mixeur et voilà ce qu'on obtient. On obtient une crème de fenouil à la ventrèche de thon émulsionnée à l'huile d'olive. Et là, maintenant, on va passer au dressage. J'ai fait cette recette pour qu'elle soit facile aussi à pouvoir reproduire. Tiens, on obtient une crème. Alors, si on n'aime pas le thon, hein, on peut faire ça avec du maquereau, on peut le faire avec des sardines. Voilà, on a donné une petite base. Là, maintenant, dessus, le fameux velouté de brocoli, les petits brocolis qu'on a finement taillé, mis dans l'huile d'olive de Mions. Dessus, on peut prendre, pour rappeler le brocoli, et après, suivre notre imagination. Voilà, bonne dégustation. Une huile d'olive au goût intense, puissant, aux arômes dominants d'artichaut cru et de notes de banane verte ou de poire en fin de bouche. Une huile d'Haute-Provence AOP pour accompagner la bavaroise de fenouil. Pour le velouté de brocoli, une huile d'olive au goût subtil, en nez, une huile d'olive de Mions, AOP,